Il paraît que les 5 premières secondes d'une vidéo YouTube, c'est à ce moment-là qu'on voit si on garde l'attention des gens ou pas. Je crois qu'on est pas mal là, là niveau attention, j'ai toutes les fameux déjà, on est bien. Aujourd'hui je vais tester pour la première fois de ma vie Grindr, donc c'est un truc que j'ai jamais fait de ma vie, j'ai trop hâte de voir à quoi ça ressemble, ça va être cool. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai invité deux copains pour m'aider dans l'aventure Grindr. Mais frérot, moi je suis hétéro. Mais moi aussi. Vous êtes sérieux les gars? Bah ouais gros, c'était pas une vidéo pour les fumeux. Non, c'est pas une vidéo fumeux, non, au contraire. Mais pourquoi vous avez pas de t-shirt si vous êtes hétéro? Justement, bah pour les fumeux. On sort? Ouais, on fait un truc comme ça, ouais. Allez. Allez, foutez-moi le camp. Putain. Wow. Allez, allez, ouais. Et mettez un t-shirt. Putain, ces hétéros, ils sont partout. Et ils sont là. Ils sont dans les campagnes, dans les villes. Yo l'équipe et bienvenue dans ce nouveau programme vidéoludique de qualité, mais alors très supérieur. Vous le savez peut-être, vous l'ignorez sûrement, moi je suis quelqu'un de célibataire. Ça se voit pas je crois, mais effectivement. Vous le savez peut-être, moi je suis bi, mais je suis sorti avec beaucoup plus de filles que de garçons. Quand je vais sur Tinder, je mets que les filles parce que ça me fait un peu peur. J'ai jamais rencontré de mec avec une appli en ligne par exemple, donc c'est un truc qui m'intéresse mais qui me fait quand même un petit peu peur. Donc pour la première fois de ma vie aujourd'hui, je vais tester l'application des rencontres gays en ligne, Grindr. J'ai donc décidé pour m'accompagner d'inviter un pote à WAM que j'ai découvert à la radio. Cher Père Noël, ou plutôt cher Sugar Daddy. Bah oui, un vieux monsieur qui offre des cadeaux à des jeunes sans demander quoi que ce soit en échange que de l'amour, des cookies et du lait, c'est la définition même d'un papy gâteau. Il raconte des anecdotes et souvent il raconte des anecdotes de rencontres avec des mecs un peu foireuses. Et moi je me suis dit tiens, rencontre et foireuse, c'est un truc que je connais bien. Et c'est lui qui va m'aider à créer mon compte aujourd'hui. Et puis peut-être nous raconter quelques histoires sur comment ça se passe la rencontre en ligne avec des mecs. Derrière vos écrans, je vous demanderai donc de mettre un énorme pouce bleu pour Ronan, que j'applaudis tout seul dans mon salon. Tout seul mais bien accompagné. Salut Roman. Comment ça va Ronan? Ça va et toi? Mais ça va bien. Merci pour l'invite, c'est super. Mais cool. Merci d'être venu. Toi tu as Grindr? Ouais. C'est bien ou pas là déjà? Qu'est-ce que t'en penses de Grindr? Grindr, pour être full franc, c'est bien quand t'es là et que tu sais pas trop quoi faire. C'est pas comme sur Tinder, tu swipes pas à droite ou à gauche. C'est-à-dire que tu peux directement parler à la personne. T'as pas besoin d'avoir un match. Absolument pour discuter pas. Avec quelqu'un? Non, non, non. En fait, tous les gens qui sont le plus proche de toi sont genre bah dans les petits carrés, un peu comme dans un magasin. D'accord, déjà le magasin, ok, on est des objets et voilà. Donc ça veut dire moi je peux ouvrir Grindr et me dire tiens mon voisin du deuxième, tiens le boulanger. Ouais, c'est un peu flippant quand tu les vois à 10 mètres parce que t'es là. En fait tu peux totalement faire. Mais c'est lui. Bah ouais c'est ça. D'accord. Ça m'est arrivé au resto une fois. Mais non. Si si. Bah je me faisais un petit peu chier, on va pas se mentir. Et puis je me dis bon vas-y on va aller sur Grindr. Là je vois 10 mètres, je fais ah le mec est dans l'étape d'à côté et je tourne la tête et en fait il était vraiment là. Il était genre là. Ouais, et ouais. Il t'avait remarqué comme gars de l'appli ou pas? Non. Est-ce qu'il te regardait comme ça? Non non non, ça serait flippant. Mais en tout cas moi je le regardais comme ça. Ok, bon du coup on va y aller, on va tester Grindr pour la première fois. Moi j'ai jamais fait ça, j'ai jamais fait de rencontre en ligne avec des gars, que des meufs. T'inquiète, ça va aller. D'accord. Tout va bien se passer. Mais j'ai confiance. Mais moi j'ai une question parce que les bi plus hétéros, etc. Les bi plus hétéros. Nous on a aussi des questions, on sait pas en fait comment vous fonctionnez. Genre est-ce que c'est aussi rapide que nous? Est-ce que genre vous prenez tout votre temps, etc. Parce que nous on a pas le temps. Déjà la façon dont t'as dit ça c'était un peu méprisant. Est-ce que vous prenez tout votre temps là, comme des hétéros qui avaient le temps? Je sais pas, moi déjà en vrai Tinder je trouve que c'est vachement un truc pour pas rencontrer les gens aussi. C'est une appli de non-rencontre. C'est-à-dire que tu swipes, le plus kiffant c'est de faire oui, non, non. Tu sais, comme si de base tout le monde voulait, tu vois. Et après, discuter avec les gens ça se fait moyen parce que souvent c'est salut, ça va? Ouais. Fin de l'histoire. Et des fois c'est salut, ça va, tu veux qu'on se rencontre? Ouais, grave. Et non, finalement, la semaine prochaine. Généralement, les meufs sur Tinder elles disent viens, on se voit la semaine pro. Et la semaine pro peut durer une éternité. Et vous, c'est pas comme ça? Absolument pas. C'est-à-dire que bah à 12h32 t'as envie de ken, 12h33 tu te connectes sur Grindr, 12h37 t'es dans un lit. Yes! Ok. Voilà, c'est aussi simple que ça. D'accord. Bah ok, vous savez quoi, on va essayer. Ouais. Petit disclaimer avant de commencer bien sûr, c'est une expérience qu'on est en train de faire avec Ronan aujourd'hui, c'est absolument pas la vérité. C'est pas forcément représentatif de tous les gens qui a de l'application, ni de tous les gays, parce que c'est pas parce que t'es gay que t'es sur Grindr, c'est pas parce que t'es gay que t'as envie de baiser dans les 3 secondes, n'est-ce pas? Oui. Mais oui. Surtout Grindr, c'est après 18 ans, pas en dessous. Ça c'est important. Je te propose qu'on essaye. Allez. On commence par la première étape, il faut me créer un profil. Ok, bon bah première étape, faut que je me donne un nom. Ouais, mais juste avant, Roman, une petite question comme ça. Tu vas sur Grindr pour quoi? Un date? Pour un plan cul? Pour te trouver des potes? Parce qu'en fait, en vrai, Grindr, tu peux trouver tout ce que tu veux dessus. Bah, c'est-à-dire que depuis tout à l'heure, je dis qu'il y a que des mecs qui baisent, mais non, il y a pas que des mecs qui... Il y a que toi qui baise. C'est toi, en fait. Sans, en fait, que personne ne répond. Enfin, répondez-moi. Non, non, tu peux aussi trouver... Enfin, moi, ça m'est arrivé de rencontrer mon mec sur Grindr. Ah, donc ça marche aussi comme ça. Ouais, ouais, moi, foutre de ta gueule, mais... Mon but, c'est de... Bon, je veux pas de
but. Moi, ce que je cherche toujours, c'est les belles histoires. On va chercher. D'accord. Non. Bah, Roman Ludwig. Alors, on met pas son nom et son prénom. Hein. C'est pas EDF. Hein. Non, non, d'accord, ok. Donc, Roman. Juste Roman, ou Roro, ou Rome avec un. Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut mettre. Déjà, il y a son prénom. En fait, son prénom, c'est un petit peu bizarre. C'est bizarre de mettre son prénom. Bah, c'est pas bizarre, mais c'est. C'est exactement ce que tu viens de dire. T'as oublié le mot bizarre. Ouais. Mets un emoji. Un emoji. Même mais pas ouais. de. Ouais, ouais, un mais emoji. C'est... Mais pourquoi... Genre un emoji qui te représente, tu vois. Je sais pas, moi. Mais un emoji chevelu. Y'a ou pas? Je mets un cheval ou pas? Qu'est-ce qu'il y a? Un cheval. Si je mets un cheval. Mets cheval, parce que comme ça. C'est un peu limite le tu cheval. Tu vas avoir non. des réponses. Après, ton âge? Bah, 24. Ouais, mais 22. Bah, c'est Grindr, hein. Je croyais que tu m'as dit il y a deux secondes qu'il fallait pas mentir sur son âge, que c'était pas bien. C'est ça que t'as dit? Eh bah, t'auras 24, écoute. Oh, et là, après, là. Le genre. Donc, en fait, est-ce que tu sais différencier les différents genres? Oui, je sais différencier les 6 genres. Moi, je suis un homme 6. Voilà, c'est ça. Ça veut dire qu'en gros, tu te considères homme dans un corps d'homme. Oh, je peux prendre ta photo? Bah, bien sûr. Bah voilà, c'est très bien comme ça. Bah vas-y. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est les tags. C'est ça. Faut se décrire en 10 tags. Donc déjà, tu vois, quand je te dis Grindr, c'est quand même très connoté, c'est que le premier truc qu'il te demande, c'est tes intérêts sexuels. D'accord, ah oui, d'accord. Voilà. Oh là là. C'est extrêmement drôle. Ah oui, donc mes intérêts sexuels, il y a SL, ami et baise, ami et baise. Avec capote, bareback, bien monté, bondage, branleur, chaussettes. Chaussettes? Ouais. Pourquoi chaussettes? Ouais, ça arrive, il y a des mecs qui aiment bien. Mais moi, si j'ai aucun de ces trucs là, tu. Nique ta mère. Tu es pas obligé d'en mettre. J'avoue. D'accord, d'accord, d'accord. Donc je suis pas obligé. Alors ça, qui sont tous ces gens? Eh ben c'est les gens, c'est tes voisins. Ça c'est ton voisin, ça c'est ton voisin. Et si tu cliques sur le profil... Ok, on va cliquer sur le profil. Normalement, t'as la distance. Lui, il est à 108 mètres. Il est à 108 mètres, c'est super flippant. Tu vois? Ça veut dire qu'en gros, ça se trouve, il est genre au dernier étage d'ici. C'est toi, là? Ouais, c'est moi. Mais attends... Pourquoi t'as mis des photos avec tes chats? Bah parce que je les aime bien. Ah mais attends, mais toi t'as rentré beaucoup plus de trucs. Bah, on voit ta taille, on voit ton poids, on voit ton ethnicité, ta morphologie. Ouais. Ah mais oui, mais, mais moi j'ai pas rentré tout bah, ça là. Oui, mais ça on va s'en occuper. D'accord, là je peux mettre une description. Là tu mets une description de ce que tu veux. Genre, moi je te propose une description. Vas-y. Besoin d'aide pour monter mon meuble Ikea, modèle Give que Fall, pas sérieux s'abstenir. C'est extrêmement drôle. C'est drôle? Ouais, vas-y. Parce que du coup les gens ils vont grave venir vouloir monter ton meuble, tu vois. Ah oui, tu crois qu'il va y avoir l'allégorie? Je pense qu'il va y avoir un montage de meuble. Position, qu'est-ce que c'est ça? Ah, alors position. Est-ce que tu connais la différence entre actif et passif? Entre quoi? Actif et passif. C'est un peu comme de la grammaire, si tu veux. C'est-à-dire que t'as le verbe actif et le verbe passif. Ça fait très longtemps que j'ai pas révisé le français, frère. Ok. Oh, tu sais... Actif. Oh mon dieu. C'est toi qui... Ok! Ah, donc. Mais c'est hyper bizarre comme question, ça. Donc là, en fait, ça veut dire que je connais personne sur cette appli, mais je vais quand même devoir dire si c'est moi qui me fais enculer ou pas, globalement. Exactement, ouais. Bah, ça va plus vite, tu vois, dans mais ce truc. Mais gros, en fait, moi, j'ai un souci. Je sais pas. Pour moi, c'est une question qui se pose une fois qu'on est, genre, peut-être dans une chambre. On n'a pas le temps, là, du date, de tout ça. Genre, vraiment, genre, Grindr, faut aussi se rappeler que c'est aussi pour les gens qui veulent du cul. Du cul. Donc, ils ont pas le temps d'aller boire un verre, manger. D'ailleurs, je le déconseille de manger avant de juste un plan cul, tu vois. On n'a pas le temps, on y va. Ça t'est déjà arrivé d'arriver chez quelqu'un et tu sais pas qui c'est, juste tu vas chez lui pour la chose? C'est déjà arrivé. Et alors même pire, c'est que t'arrives et le mec t'attend déjà dans la position. Mais comment il ouvre la porte? Bah la porte est déjà ouverte. Il laisse la porte ouverte et il se met en position? Tu sais que moi ça m'a toujours fait trop rire parce que, bon après moi ça m'est pas arrivé. Tu as jamais vu la personne en vrai? La première chose que tu vois c'est son anus. C'est son anus. Posé délicatement autour d'un cul. C'est un petit peu ça, ouais. Ça veut dire que j'ai bonjour monsieur. Hop, pardon, excusez-moi. Et il laisse la porte ouverte, c'est hyper inconscient. Il laisse les deux portes ouvertes. Les deux? Bah oui, parce que imagine il y a quelqu'un d'autre qui arrive qui dit oh tiens, un cul, boum. Bah c'est ça en fait. Faut surtout pas tomber sur ton voisin, tu vois. Oh là là. Ah, ouais. Pas ça. Ça après tu vois, c'est un peu le côté très sexualisé. Sexualisé. Ouais, un petit ta rencontre Grindr. Moi je peux te dire sur Tinder, ça n'arrivera jamais un truc comme ça, mais jamais, jamais. Le Tinder des hétéros, pas le Tinder. Oui, oui, bah le Tinder, oui, bon, oui. Bon, écoute, je vais pas mettre plus que ça parce que j'ai reçu un message, je crois. Salut, tu es une femme. Le mec s'interroge sur si je suis une femme ou pas. Et ça, ça m'étonne pas parce que tu sais que quand je vais au resto avec un pote, genre à chaque fois quand on rentre dans le resto, le mec dit Madame, qu'est-ce que je vous sers? Et je réponds un café, connard. Je fais pas ça, j'ai pas le courage de dire ça en vrai. Tu cherches quoi de beau par ici? Voilà, donc là en général, c'est vraiment la question qui vient après. Est-ce que ça va, parce qu'on a un minimum d'humanité. Tu demandes toujours si ça va et après qu'est-ce que tu cherches ici? D'accord. Oh mais j'aime pas parce que ça en fait ça va permettre de savoir si le mec va te tège en 3 secondes ou si tu vois il va continuer à avoir un ouais parce que lui il fait ses courses à la base. D'accord, c'est un petit peu ça. Bon, j'ai pas envie de répondre à ce mec, j'ai le droit? Alors t'as le droit et tu laisses comme ça, tu ghostes. Allez, je ghoste. Voilà. Moi j'ai envie de regarder ce qu'il y a un peu autour de nous. C'est bien parce que du coup on va pouvoir voir quel est ton genre de
Bah déjà pour l'instant je vois pas trop mon genre de mec hein. Pour être honnête. Moi j'en ai vu plein là. C'est vrai, t'en as vu quelques-uns? Ouais, mais pour ça moi je suis pas très compliqué. Donc toi t'es pas très difficile, genre là par exemple juste ici. Ah mais là tu peux retourner chez tes voisins. D'accord. Là déjà tu vois par exemple lui ça a pas lui, l'air mal. Ça a pas l'air. Après t'as mal. D'autres photos tu vois et tu peux être déçu. C'est pas mon style du tout. En fait tu vois là par exemple on va faire. Et le mec attends le mec s'envoie une photo de son torse et de lui en Spider-Man. Bah tu sais que le mec voilà en fait c'est en regardant les photos des. Il a envie que tu tombes dans sa toile. Ah. Alors, oui. T'aimes bien? Ah là oui, j'aime bien, oui. Mais c'est sympa. Bah y a du cheveu quoi, y a de la mèche, il se passe quelque chose. On peut mettre un peu la main dedans et on. Qu'est-ce qu'il a mis comme bio? Au feeling, nouveau sur Lyon, j'aimerais faire de nouvelles rencontres. Fun, cherche actif TBM. TBM? Ah tu sais ce que c'est TBM? Non, je sais pas ce que c'est TBM. Alors, petit cours. D'abréviation. En fait, si quelqu'un te demande si tu es TBM, les trois lettres pour dire très bien monté. Je te fais pas de dessin? Non, j'ai compris. Et en fait, t'as même un niveau au-dessus qui est TTBM. Voilà, donc là, je sais que tu vas souffrir. No d'accord, joke. Donc il y a des gens qui sont sur. Mais en fait, moi ce que je trouve bizarre, enfin pas bizarre, mais c'est juste que moi j'ai pas l'habitude. Quand on est sur Tinder hétéro, tu dis pas au passage, je recherche quelqu'un avec des gros nibards, sinon ça le fait pas, tu vois. Personne dit ça. Chez nous, ça se fait. En vrai, ça se fait. Après, encore une fois, t'en as qui sont publics de ça et t'en as qui le sont pas du tout. Donc, D'accord, bon, est-ce qu'on peut envoyer un message à cette personne? Ouais, t'appuies sur la petite bulle là. Alors regarde, là il y a une information importante. Nouveau sur Lyon. J'aimerais faire de nouvelles rencontres. C'est ce que tu veux faire. Hey, bienvenue à Lyon. Eh ben voilà. Besoin de quelqu'un pour te faire visiter. Eh ça faut arrêter hein. Les gens d'ailleurs que ce soit sur Tinder ou Grindr, c'est pas une histoire d'hétéro ou pas. Hein. Les gens qui disent ah bah je peux te faire visiter la ville. Tu veux pas me faire visiter la ville. Tu n'as aucune envie de visiter la ville, t'en fous de la ville, t'es pas un guide touristique. Mais t'es pas obligé de préciser quelle ville, tu vois. De visiter. Bienvenue à mon cul, capitale du Quercy Blanc, à 20 minutes de Cahors. Mon cul c'est quand même un gros village, allez c'est parti pour la visite. Bienvenue à Lyon, avec un petit emoji cheval. Allez un petit emoji cheval, comme ça on montre qu'on est TBM par ici. Bah ouais. Faut mettre en application. Oui, bah j'apprends, d'accord. Alors. D'accord, bien. Donc lui, t'aimes bien. Ah bah lui, j'aime bien. Okay. Bon, il fait un peu la tronche sur ses photos, mais comme un BG. Puis je sais pas, il a des beaux yeux, j'aime bien ses cheveux. T'as envie de mettre la main dedans pour voir s'il se passe quelque chose. Ah, c'est quoi ça? C'est un autre profil, t'as d'accord. J'ai swipé, j'avais pas. D'accord. Ouais, ok, voilà. Donc, ok. Lui, il s'appelle juste New de point d'interrogation. Voilà. D'accord, lui, il a pas de photo. Lui, il a pris de la drogue. Lui, il a beaucoup de cheveux. Alors. Beaucoup de cheveux. On aime bien ou pas? Bah, étonnamment pas tant. Mais bon, il a du cheveu. Lui, il s'appelle Orion. C'est pas un prénom, ça? Si, c'est un prénom. C'est un prénom? Ouais. T'aimes bien ou pas? Ouais, moi j'aime bien, ouais. Ah bah vas-y. Cours, Orion. Parce que je te rappelle qu'on doit te trouver un date. Oui, c'est vrai. Bon, après, on n'est pas obligé non plus. Enfin, tu vois, ça, c'est au feeling, hein, y a pas de. D'accord. Est-ce qu'il y a des fois où, sur certains tournages, on va dire, tu t'es dit. De micro-trottoir? Ouais, micro-trottoir, peu importe, tu vois. Ouais, ça m'est déjà arrivé, bien sûr. Mais ça va mais pas pro, quoi. Ah, mais ça va pas plus long que ça, jamais. Tu sais que, petite anecdote, c'est rigolote, je suis allé qu'une seule fois dans une vraie boîte gay. C'était d'ailleurs pour le tournage Nuit Blanche à Paris, que vous pouvez voir sur YouTube. Et on est rentré dans un bar gay. Et moi, à l'époque où j'étais ado, j'étais en kiff sur un gars. Et c'était aussi parce que c'était le seul gars que je connaissais de mon âge qui était gay affirmé. Et déjà, j'étais hyper admiratif de ce mec. Il s'appelait, on va pas dire son prénom, on va l'appeler Table Basse. Et Table Basse, il était ouvertement gay, je trouvais ça trop stylé. Donc forcément, vu qu'il était stylé, j'avais trop envie. Et je l'avais pas vu depuis tard l'époque, mais vraiment depuis 5-6 ans. Et je suis rentré dans cette boîte de nuit gay en me disant, ce serait quand même marrant que la première fois que je rentre dans une boîte de nuit, je trouve le seul gay que je connaisse vraiment un petit peu. Il était là. j'étais bon bah voilà, mais en fait non. C'est très simple de le trouver, il suffit vraiment d'aller à là où tu penses que tu vas le trouver. Quand je l'ai vu, j'ai limite envie de dire, gros, t'aides pas la cause, c'est vraiment cliché ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais là? Et non, j'ai pas réussi. Ah. Non. Échec personnel. Total, échec personnel, échec intime, échec de tous les côtés. Mais c'est pas grave, il fallait tenter. Est-ce qu'on irait pas voir comment va mon Grindr? Comment va ton Grindr? Comment va mon Grindr? Ok, voyons déjà s'il a répondu le BG. Hey, merci. C'est tout? Pas de relance? Pas de phrase plus longue que ça? Tu peux relancer, tu peux dire une rencontre? Noni! Je sais pas, tu veux rencontrer des gens? Mais bien sûr qu'il veut rencontrer des gens, il l'a mis dans sa description. Tu veux date ou pas? Cette phrase là, comme ça là, abrupte. Mais non, mais toi, est-ce que tu veux date avec lui? Bon, pourquoi pas? Vas-y. Mais là, pour l'instant, il y a vraiment deux messages. On va quand même pas se voir alors qu'on s'est en changé que deux messages. Pourquoi pas? Je te rappelle, on est sur Grindr. C'est vrai. Je fais beaucoup ça sur les applis normales, c'est vraiment. T'inquiète. Vas-y, écris-toi un message que t'écrirais après moi. Je suis pas un guide touristique de très bonne qualité. C'est très long déjà. Hein. Et bah attends, excuse-moi, j'utilise des verbes, des sujets, des compléments, j'étais à l'école. Hein. Mais je connais un ou deux bars plutôt très sympas. Ouf!
Bon, c'est, hein, moi, ça m'a, bossé, hein. Ça m'a fait quelque chose. Est-ce hein. que t'as des nouveaux voisins? Est-ce que, voyons si j'ai des nouveaux voisins. Putain, c'est la fête des voisins, ce truc, hein. Bon, on dirait Maxence, le youtubeur. Es-tu Maxence, le youtubeur? Facile. Il y a quand même un délire, c'est que pour décider de à qui je vais parler ou qui je vais pas parler, c'est ouais. vraiment uniquement les photos. Et les photos, c'est vraiment le visage. Le corps, c'est un peu simpliste quoi. Moi je trouve que tu vois par exemple Tinder, bah c'est encore pire. Dans le sens où sur une photo, tu vas dégager le mec ou tu vas le prendre. Mais c'est la même chose ici non? Ouais, mais au moins t'as l'occasion de pouvoir lui parler. Tu peux lui parler même s'il a pas décidé de te parler. C'est ça. C'est limite plus accueillant que Tinder, bah dis donc. Donc j'envoie un petit salut ça va. Un petit salut, salut hein? ça va, salut, bah, salut, ouais. salut ça va. Comme d'hab. C'est comment ça? Mais salut ça va, c'est nul. Bah c'est nul mais c'est efficace. Salut ça va, tu baises. Et puis c'est réglé. Oh. Non? Oh là là. Hey, ça va et toi? Bah tu peux faire la conversation avec lui, ouais, t'as l'air de très bien t'en sortir. Parce que je voudrais pas dire, mais mon message a mieux marché que le tien. Ouais, 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 ouais. Alors, peut-être. Je peux y aller, hein? Oui, vas-y, vas-y, amuse-toi. Okay. Au pire, je dirais que c'est un faux compte et qu'on a usurpé mes photos. Alors là, on a hey, ça va et toi? Bon, du coup, je me permets. Hein. Permets-toi, hein. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà utilisé une appli de rencontre, si vous aimez bien, si vous avez une mauvaise expérience, une bonne expérience, dites-le nous dans les commentaires parce que c'est intéressant. Tapez chaud combien de fois sur une appli de rencontre? Bon, vas-y. Je suis honnête, full honnête hein. Bah ouais, c'est le but de cette chaîne. En une soirée où vraiment je me faisais chier, je me suis à peu près tapé 3 dates. C'est tout? 3 en une soirée. En une soirée? Ah bah oui. Ah je crois que c'est 3 en tout. Ah non, donc c'est pour ça que je te dis ça va être difficile de calculer le nombre de personnes. 3 en une soirée? Bah attends. Mais t'as un problème. Non, c'est génial. Mais t'es un fou, mais comment ça se fait? Ça veut dire que tu vas chez le premier, ouais. Attends déjà, est-ce que les 3 étaient planifiés au début de la soirée? C'était un mode comme un marathon, tu fais allez let's go, on va les enchaîner, comme ça? Non, en vrai, genre tu fais un premier, puis tu te rends compte que bah c'était pas... Après tu vas dans un deuxième délire, et puis après bah un troisième. Bah après c'est parce qu'il était déjà minuit et qu'il y avait plus de métro, mais sinon il aurait pu en avoir un quatrième, tu vois. Mais tu peux enchaîner les gars comme ça, toi? Ah ouais. Pourquoi cette frénésie des rencontres, Renan? Je sais pas. Qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce que vous cherchez finalement une figure que vous avez perdue? Je crois que c'est ça, hein. Est-ce que c'est votre confiance en vous que vous avez l'impression de combler à chaque rencontre? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir besoin d'être validé? Mais dans ce cas-là, vous ne serez jamais rassasié. Jamais rassasié, ça c'est sûr. Boy. Putain, il me répond toujours pas le bâtard. Je suis saoulé. Je vais lui renvoyer un message. Hé, j'ai menti, je connais aucun bar, viens en ken. Si c'est comme ça que ça marche, ok, c'est bon, j'ai compris le concept. T'imagines hein. Si tu reçois une réponse là? Bah, ça serait dingue. Ça va, tu commences à avoir un peu les codes, tu ça t'étends. Va doucement, je suis à ça de rajouter tes PM. Oh putain, s'il me répond après ça, c'est vraiment que ton application elle est bizarre. Ça ne pourrait jamais marcher avec des hétéros ce truc là. Pourquoi? Parce que là, je peux voir qui sont les gars qui ont envie de faire l'amour avec moi dans un rayon de 100 mètres à distance, tu vois. Si une meuf avait ça, elle irait dans le métro, elle ouvrirait son Grindr. Et elle verrait tous les mecs du métro. Et se dit, en fait, tout le monde dans la rame veut me coucher avec moi. Je ne me sens plus en sécurité dans ce monde à présent. Merci application, tu vois. C'est compliqué en réel. Alors en plus, ça rendrait le truc terrible. Donc, on a chacun vécu des moments où on a rencontré des gens sur les réseaux sociaux. Enfin, sur les sites de rencontres. On a tous les deux eu des dates via les applis de rencontres. Je pense qu'on a tous les deux des grandes histoires. Donc je te propose qu'on fasse une sorte de petit battle d'anecdotes. L'objectif est de choquer la personne en face, voilà, tout simplement. Puis de vous choquer aussi, bien sûr. Allez. Le plus drôle, donc j'étais chez un mec qui avait à peu près 30 ans et qui vivait toujours chez ses parents. Le truc, c'est qu'il m'avait dit, t'inquiète, mes parents, ce soir, ils sont pas là, etc. Oh, ça pue, ça pue déjà. On sent l'histoire arriver, tu vois, mais en gros, la mère qui ouvre la porte comme ça de la chambre et qui fait, oh, bah quand vous aurez terminé, bah faudra qu'on aille à Intermarché quand même. Et là, elle referme la porte, genre en la claquant, et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Le mec, complètement paniqué, tu vois. Et en fait, c'était super drôle après, parce que bah genre quand on est descendu, elle était là et genre elle s'est excusée un milliard de fois, désolée de vous avoir dérangé et tout, et je trouvais que c'était plutôt drôle. Ouais, quoi. C'est rigolo, ça reste mignon, ça reste quand même chou. C'est mignon, mais... Moi, une fois, j'avais rendez-vous avec une fille et on s'était donné rendez-vous à 22h dans un bar. Et à genre 21h, j'ai une très bonne amie qui m'appelle et qui me dit en gros, elle venait de se faire larguer, ça allait pas bien du tout. Je dis bon, on va prendre un verre à 21h avant mon rendez-vous, comme ça on discute. Et donc j'arrive et je récupère ce que tu peux imaginer d'une fille qui vient de se faire larguer. La meuf avec le maquillage là. Tout ça pour dire que bon, je suis là avec la fille, avec ma pote du coup. En fait, je suis en train de travailler, tu es en mode ça va aller, est-ce que t'as eu des messages, des retours, tu penses que bon, oui, non, fini, pas fini, bon, tu vas m'en. Et puis
puis à un moment, je me rappelle quand même qu'il y a l'autre qui arrive, et je me rappelle parce que je vois une meuf totalement ivre, morte, arriver à côté de moi et s'installer. Et au début, moi, j'ai un peu un melon comme as, tu vois, et je me dis, putain, il y a une fan un peu bourrée qui veut une photo. Pas du tout, c'était totalement la fille à qui j'avais rendez-vous qui ne ressemblait pas du tout à ces photos et qui était ivre morte. Et donc elle s'installe, elle fait salut, ça va? Elle regarde ma pote, elle fait bonjour, pourquoi tu pleures? Il y a rien qui allait. Et vraiment, la meuf. Il y avait vraiment, et puis enfin c'est pas qu'elle avait pas de conversation, c'est qu'elle était bourrée quoi. Tu sais, elle fait tomber son verre, et puis des couverts, et puis des fois elle veut une clope, elle attrape comme ça. Mais comment tu t'en sors à ce moment-là? Comment je m'en sors à ce moment-là? Il y a ma pote qui me dit moi je pense Roman, ce serait bien que tu m'accompagnes. Oui, ce serait super bien que je t'accompagne. Et en fait elle m'a sauvé, donc c'est cool parce que ma pote, je l'ai quelque peu sauvée parce qu'elle fallait absolument qu'elle parle quelqu'un à ce moment-là. Et elle m'a sauvé en me démerdant de ce date vraiment foireux. Maintenant Ronan, est-ce que tu peux me raconter le date le plus flippant que t'as eu avec une appli de rencontre? Toi, est-ce que t'as une anecdote flippante de date? Flippante. Oui, flippante. Et d'ailleurs, parle aux gens qui te regardent, mais faites super attention quand vous allez sur Grindr, ou peu importe l'application de rencontre, que vous soyez fille, garçon, peu importe, gay, lesbienne, hétéro. Donc, je vais chez un mec. Le mec est juste trop beau. On commence, tu vois, mais vraiment romantique. Romantique, on se connaît depuis 12 minutes. Et là, quelqu'un frappe à la porte. Parce que la porte ne frappe personne. Hein. Tu vois le moment de gênance quand le mec ouvre la porte et qu'il te dit « Ah bah je te présente mon pote. » Comme il était chaud aussi, bah je lui ai proposé de venir, tu vois. Et là moi je me suis dit j'ai peur. Le traquenard. J'ai peur de ouf parce que je me suis dit « Mais comment ça va se terminer cette histoire ?» Bon, il se trouve que ça s'est bien terminé, mais il y a eu un moment de latence, en fait, genre de 5 minutes à peu près, où en plus le mec était hyper creepy. Et genre, il regardait un peu partout, tu vois, en mode genre un peu... Et je me suis dit, mais c'est qui ce mec? Il a été commandé sur le Darknet, c'est pas possible. Et donc non, après ça a été, ça s'est un petit peu détendu et tout, mais pour le coup, le plus flippant, c'était ça. C'est que tu vas chez un mec, et en fait là, oh, il y en a un autre. Un invité surprise. Voilà, on l'a commandé sur Uber Creep, celui-là. Moi, le plus flippant, c'est le tout premier que j'ai fait. C'est la première frontale rencontre avec Tinder. J'ai 18 ans et je parle avec une fille sur Tinder, blablabla, 2-3 semaines avant de se voir en vrai. Parce que tu sais, il faut apprendre à se connaître. Et elle me dit, écoute, je veux, pour notre première rencontre, je vais t'emmener dans un endroit qui me ressemble, qui me caractérise, ça va permettre de voir un peu qui je suis. Et moi, je dis, vas-y, fais la chose, trop bonne idée. Et on se retrouve à Paris. Et en vrai, donc moi, je suis comme un ouf, déjà, je la vois en vrai, je fais, salut, ça va, fais ouais, viens, c'est par là. Et là, on rentre dans un magasin de reptiles avec des serpents, des iguanes, mais aussi des araignées. Des cafards, des trucs comme ça, et puis elle a pris un serpent, elle fait touche, regarde, puis moi j'ai peur, c'est ta phobie. Mon cerveau il comprend pas parce que d'un côté il se dit meuf, fraîche, sympa, bonne soirée, et en même temps serpent qui veut dire cours, va-t'en, loin, et donc les deux en même temps ça fait vraiment En fait, t'as double enjeu, est-ce que tu vas réussir à affronter ta peur du serpent, et est-ce que tu vas réussir à faire caresser le tien? Ouais. L'équipe, oubliez pas, les applis de rencontre, ça peut être très cool si on les maîtrise, mais c'est aussi potentiellement très dangereux. Faut faire attention à qui, sur qui on peut tomber, on n'est jamais sûr à qui on parle, qui est-ce qu'on a en face de nous, parce qu'on est quand même sur internet, et sur internet on ne sait jamais trop qui on a. Genre par exemple là, vous croyez que c'est Romain Deduc depuis le début? Eh ben non, c'était Jérémy Nadeau. Et là le monteur il va avoir un temps monstrueux, mais il va le faire. Je t'aime. Évidemment, que vous soyez gay, bi, hétéro, voilà, le prisme de la sexualité est immense. Les applications, ça a ce côté, on va dire, très rapide, de ce truc où on est tout de suite consolé sur le fait que oui, on plaît, oui, on peut rencontrer quelqu'un. Et généralement, il y a aussi ce... Voilà, on le fait aussi parfois parce qu'on a besoin d'être rassuré. Je pense qu'il y a une valeur qui se perd aujourd'hui, c'est la patience. Après, il faut aussi dire que perdez pas non plus trop de temps, parce que si vous parlez pendant des semaines et des semaines et qu'au final, psychiquement, en vrai, ça ne marche pas, t'aurais pu t'en rendre compte plus tôt, en fait. Si vous voulez suivre Ronan sur Instagram et d'écouter toutes ces anecdotes qui sont incroyables, allez dans la description. Moi, mon spectacle adorable, toujours en tournée dans toute la France, toutes les dates sont en description aussi. Que je suis allé voir d'ailleurs et qui est trop bien, franchement. Bon, en tout cas, je suis vachement déçu parce que tu m'avais promis que c'est sûr que j'aurai un date ce soir à Grindr. Bah, on a passé 2 heures dessus, rien que dalle, quoi. Bah écoute, tu fais quelque chose ce soir, du coup? Bah du coup, non. Évidemment, j'allais pas le faire tout seul, vous me connaissez, j'aime bien quand ça fit, j'aime bien quand ça fun, j'aime bien quand ça fit and fun. Oh putain. Ça tourne? Ça tourne toujours. Ok. Attends. Parce que moi je sais pas, j'ai l'impression d'être une grosse vache sur le canapé depuis tout à l'heure là. Mais non, t'inquiète. Non, putain. T'es une vache moyenne. Je suis une limousine. Une petite limousine. Une petite marguerite. On est pas encore sur la vache normande. Merci, c'est gentil. Ça t'a rassuré, c'est bon? Ouais, merci. On peut y aller, ça y est. Bon mot. Bon les amis, oubliez pas Attends, les. Je suis en train de me gratter le nez. Désolé, mais. Tu peux y aller. Bon l'équipe. Bon l'équipe, oubliez.
Bah oui, non mais j'ai des cheveux devant, comment je fais? Ça m'obstrue la vue. Bon.